En couture. En Merci, bon après-midi, Monsieur le Président. Pour votre information, j'irai sûrement jusqu'à la pause de cet après-midi. Et je verrai à ce moment-là si j'ai pu finir ou si je demande 10 minutes en plus. En sachant que du côté des parties civiles, elles auraient besoin de 30 à 40 minutes, je crois. Voilà, Monsieur le témoin, je voudrais vous poser quelques questions sur le 17 avril 1975 et ce qui s'est passé à ce moment-là. Vous avez dit devant les juges d'instruction être entré à Phnom Penh environ 3 jours après la prise de Phnom Penh. Est-ce que c'est correct? Et à ce moment-là, est-ce que vous avez rejoint votre bataillon à Phnom Penh? D'accord, est-ce que vous étiez à ce moment-là avec Sun Ri? Sun Ri, c'est quelqu'un que vous avez connu, je crois. Est-ce que vous étiez avec lui? Est-ce qu'au moment de la célébration de la victoire Phnom Penh, vers le kilomètre 6, est-ce que dans votre bataillon sur place se trouvait également un dénommé Sun Ri? Et je vais épeler S-U-O-N et puis un autre mot R-I ou bien R-Y. Je ne suis pas sûr de bien prononcer, monsieur le témoin, mais je crois que c'est plutôt Sun Rey, S-U-O-N-R-E-Y, alias Kat Khan. Sun Rey, c'est Khan. Donc vous étiez au kilomètre 6, est-ce que vous avez vu la population venant de Phnom Penh passer devant l'endroit où vous étiez au kilomètre 6? Mais moi, je suis un peu plus jeune.
Est-ce que vous les avez vus passer, les évacués sur la route où vous étiez, au kilomètre 6? Est-ce que certains membres de votre bataillon étaient chargés d'interroger les personnes qui passaient sur la route pour faire le tri entre d'anciens militaires de l'ONOL et la population ordinaire? Bạn đang có trong nó và khi nó chèn nó to tớm ta trong cái vừa sự cam học kịp từ lừa vừa là nó cứ nhưng mình bạn đang khi người ta chèn và Je voudrais quand même faire une tentative et lire une partie de la déclaration de Sun Rai au centre de documentation du Cambodge. C'est une déclaration qui date du 2 février 2003 et qui porte le numéro IS-19.192. Et l'extrait que je voudrais lire figure en Khmer à la page 000-55-292 jusque 293. En anglais, c'est aux pages 18 et 19 et en français aux pages 14 à 15 de ce document. Je ne vais pas demander de le projeter à l'écran puisque M. le témoin n'aura pas vu, mais je voudrais lui demander de réagir par rapport au contenu de ce que Sun Rai a dit. Et voilà ce qui apparaît dans ce document. Question: est-ce que les soldats de l'ONOL étaient camouflés? Réponse de Sun Rai: oui, ils étaient camouflés, dans le sens où ils ne portaient pas leurs uniformes militaires. Ils étaient habillés en civil. Et plus loin, ils pouvaient se fondre dans la foule des habitants. Question: est-ce qu'on pouvait les repérer? Réponse de Sun Rai: non, on ne pouvait pas les repérer. Mais parmi eux, lorsqu'on interrogeait, certains tombaient sur des soldats. On soupçonnait. Normalement, entre les gens qui ont été soldats et les habitants, point d'interrogation, quand on soupçonnait, on interrogeait. Par exemple, on interrogeait les commandos. Question: quand les Khmer Rouges rencontraient ces gens-là, comme les commandos, les anciens soldats de l'ONOL, par exemple, qu'est-ce que les Khmer Rouges faisaient alors? Réponse de Sun Rai: à l'époque, ils les arrêtaient, ils les retiraient. Quand c'était des soldats de l'ONOL, ils les retiraient systématiquement. Ils ne les déportaient pas avec les habitants. Je saute un passage. Ensuite, ils les regroupaient ensemble d'abord. Ils les mettaient dans un endroit en attendant. Tout cela, je l'ai vu de mes propres yeux. Fin de citation. Ce passage de l'interview de Sun Rai. Monsieur le témoin, vous avez rejoint votre bataillon après les autres. Est-ce que vous confirmez vous-même que vous n'avez pas vu que ce tri entre population normale et soldats de l'ONOL était opéré par certaines personnes de votre bataillon? Cứ khi ông ớt bán đằng trong bàn chạy thả đó thì hiện nơi lại phở rật
Merci. Je vais passer à une autre période. C'est la période où vous avez travaillé pour le commerce. Et je vais revenir à votre biographie que je vous ai donnée tout à l'heure. Porte donc la cote 19.177. Et à la page 2, toujours le tableau avec les dates, il est écrit 15 mai 1975, ouvrier à Kampong Som, commerce. Je signale au passage qu'en français, la version française, il est marqué 15 mars 1975, mais c'est visiblement une erreur. C'est bien 15 mai 1975 qu'il est marqué en khmer. De même que dans la traduction française, les mots Kampong Som n'apparaissent pas. Monsieur le témoin, tout à l'heure, vous nous avez déjà dit que vous aviez travaillé à Kampong Som. Est-ce qu'effectivement, ce qui est marqué dans la biographie, dans votre biographie, à savoir que vous êtes parti vers le 15 mai 1975, correspond à la réalité? ដែលបាទមកកាដែលផ្ដល់ចម្លើយនៅក្នុងសំណួរទាំងអស់នោះគឺវាមិនបានគ្រប់លក្ខណៈក៏ពិតមែនប៉ុន្តែឡែកខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អំពីការពិតរបស់យើងខ្ញុំដែលបានទៅនៅកន្លែងនោះកំពង់សោមបានរយៈពេល1ឆ្នាំទៅវិចិត្រ 5ដោយលោកលើយដែរណាព្រោះថាមកបានមួយឆ្នាំរយៈពេល5ចិត្រ 6វាជូនត្រឡប់មកវិញ Très bien. À partir du moment où vous étiez transféré à Kampong Som, est-ce que vous étiez là encore en tant que militaire ou bien en tant que civil au service du commerce? បាទដែលរស់នៅទីក្រុងកំពង់សោមគឺធ្វើការជាកម្មករលីសែងលីសែងឯការរស់នៅនៅក្លឹងលើតែដល់ធ្វើការចេញពីកន្លែងក្លឹងលើទៅគេដឹកឡានវិជូនទៅកំពង់ផែកំពង់សោមមកសមុទ្របាទចេះដូរជីវិតគ្នាឲ្យវិលបាទគេថាវិលថាចូលម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 9 ដល់ម៉ោង 10:00យើងត្រូវគេដូរវិលហ្មងវិលជុំតែវិញធ្លាក់ដល់ទៅយប់ទីទៅក៏វាដូរគ្នាទៅទៅជីវិលបាទ363 que je vous ai remis tout à l'heure. Donc page 2 en khmer, page 2 en français, page 3 en anglais. Vous aviez précisé ceci devant les juges d'instruction. Au début, nous étions chargés de débarquer du paddy, des bateaux chinois. Je tiens à préciser que ces bateaux disposaient de 90 automobiles à l'étage supérieur. Or, à l'intérieur des bateaux, il y avait du paddy et d'autres matériels, tels que des pioches, des pelles, des insecticides. Donc, si je comprends bien ce que vous aviez dit devant les juges d'instruction, peu après l'évacuation de Phnom Penh et des autres villes, du paddy était régulièrement déchargé de bateaux chinois. Est-ce que c'est correct? ពីកប៉ាល់ចិនសែងឬទម្លាក់ចេញតែត្រឹមត្រូវដែរទេហង្ករទេសូមជាស្រ័យមិនស្រ័យទេបញ្ចេញកមកឲ្យអារបស់ទុកនឹងខាងក្រោមនោះដោយបានលើកឡើងចេះមានសូមរិទ្ធផ្សេងៗគ្រប់មុខទាំងអស់ឲ្យបាទចោលប៉ែលស្អីស្អីទៅឆ្នាំឲ្យដូចការលើកឡើងចេះត្រឹមត្រូវហ្នឹងបាទ ហើយខាងលើទុកឡានយល់មែនឡានវាក្រេតូចៗ90 គ្រឿងកប៉ាល់វាធំណាស់នោះគេទៅវា 130 ម៉ែត្រ
ដោយវាក្នុងលឿងអញ្ចឹងយ៉ារ៉ូពីយូងអាឡានទៅលើកចូលអស់ទៅបានបើកគ្រប់ឡើងមានអាប្រដាប់យូងគេមកដាក់អាឡានទៅកម្មកោយើងអូទីងមកដាក់ក្លឹងគេនៅមាត់សមុទ្រនៅដែរ Très bien. Lorsque vous étiez sur place avec votre ancien bataillon, y a-t-il eu des arrestations dans votre unité lorsque vous travaillez au port de Kampong Som? Est-ce que Tabeng était toujours votre chef à ce moment-là? Est-ce que entre 75 et 76, vous étiez à Kampong Som. Kampong Som, est-ce que vous avez changé de chef? Merci. Alors j'en viens à votre période à Phnom Penh ou aux alentours de Phnom Penh. Et d'après votre biographie, vous êtes revenu, toujours à la page 2 de la biographie, le 28 mai 1976. Et est-il correct de dire que vous avez travaillé à plusieurs endroits différents? À Phnom Penh d'abord, et puis vous avez déjà parlé du kilomètre 6 ou de Chreng Chamre, et de Thul Thumpong. Est-ce que vous avez également travaillé à Tak Mau à un certain moment? Votre biographie dit aussi qu'après Tak Mau, vous seriez revenu au kilomètre 6. C'est ce qui est marqué, ce qu'on dit le 17 mars 77, kilomètre 6, et 28 mai 77, ouvrier à K51. Est-ce que vous avez travaillé au kilomètre 6 ou à Chreng Chamre, à la fois avant et après Tak Mau? D'accord, merci. Vous avez parlé du fait que vous deviez transporter du riz et du ciment à Chreng Chamre. Est-ce que ce riz que vous mettez dans des trains était, disons, à qui était destiné ce riz? Est-ce pour la consommation au Cambodge ou bien c'était du riz qui était exporté? Bà con, có chỉ món cứ
Et lorsque vous étiez à Shreng Chamre, est-ce que vous étiez toujours un simple porteur comme au port de Kampong Som, ou bien est-ce que vous étiez maintenant un autre poste? Est-ce que vous étiez le chef de plusieurs hommes? Quelle était votre fonction exacte? Je voudrais vous lire un autre extrait de la déclaration du procès-verbal interrogatoire devant les juges d'instruction que je vous ai déjà communiqué. C'est le document E3-363. Alors, c'est à la page 3 et 4 en khmer, 4 en français et 3 et 4 en anglais. C'est un passage qui parle d'arrestation. Voilà ce que vous avez dit. La première question étant, à Shreng Chamre, y avait-il des arrestations? Vous avez répondu, oui, il y en avait. On disait aux responsables, c'est-à-dire chef, chef adjoint du bataillon, chef, chef adjoint de compagnie, et après au chef de la section, d'aller suivre des formations. Parmi toutes ces personnes, aucune n'était revenue. Elles ont toutes disparu. Ensuite, il ne restait plus que le chef du groupe et de simples ouvriers qui étaient plus tard convoqués à une réunion tenue dans un endroit près de Wat Phnom. Puis je saute un passage et vous continuez. Après la nomination du nouveau chef de groupe et après l'arrivée de ce dernier, nous vivions aux alentours de Psa Cha, mais nous travaillions toujours au kilomètre 6. Fin de citation. Alors, ces arrestations de responsables locaux à Shreng Chamre, certains de vos chefs, est-ce qu'elles ont eu lieu? Est-ce qu'elles ont bien eu lieu avant la réunion durant laquelle la trahison de Thuc, T-H-U-C-H, a été annoncée près de Wat Phnom? Merci. Est-ce qu'on vous a dit pourquoi vos supérieurs, c'est-à-dire le chef, chef adjoint du bataillon, chef, chef adjoint de compagnie, avaient disparu ou avaient été arrêtés? ក្នុងពេលប្រជុំរៀបចំឯងជាក្រុមជាកងអនុសេនាតូលសម្រាប់គ្រប់គ្រងកម្មកលីសៃបន្តទៅទីនោះគេបានប្រាប់ដែរគេថាលោកកុយខូនហើយធុយហើយខូននេះជាអ្នកក្បត់
ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ប្រធានបទសម្រាប់ការប្រជុំនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបាទអញ្ចឹងដើម្បីថាអ្នកខាងក្រោមគេមិនបានប្រកាសទេប៉ុន្តែគេថាជាបណ្ដាញរបស់កុយឃូនេះឯងបានគេត្រូវដកចេញឲ្យអស់ Est-ce que cette réunion à laquelle vous faites allusion concernait uniquement des gens qui travaillaient pour le ministère du Commerce et qui l'a présidé? Qui vous a parlé de Kon Thuon à ce moment-là? បាទខ្លះមកពីភូមិភាគនេះដែរទទួលបន្ទុកគេថាខាងពាណិជ្ជកម្មក្នុងប្រទេសនេះបានមកប្រជុំរៀបចំគេថាក្រុមកងអនុសេនាតូចដើម្បីគ្រប់គ្រងកម្មករបរនៅនៅក្នុងជិតវត្តភ្នំផ្សារចាស់នេះឯងប៉ុន្តែធ្វើការនៅក្លូលេខ1ដល់ដែរលុយលើដែរខ្ញុំចាំមិនបានបាទ Est-ce qu'à cette réunion où on a annoncé que Kon Thuon était un traître, est-ce qu'on a parlé d'autres personnes qui occupaient des fonctions dans la zone nord ou dans votre division d'origine? មកមិនលឿនយាយថាខាងក្រោមទេក្រោមកុយខូនទៅមានយាយថាចំពោះអីលោកអឿនចាញ់មេកងពលគេបាទកងពលធំគេនៅក្នុងភូមិភាគនោះបាទក្រោមជាការការគ្រប់គ្រងថាទូទាំងប្រទេសហើយលោកអឿនចាញ់ កងពលធំវិញហើយក្រៅពីនោះបើថ្នាក់លើទៅវិញខ្ញុំអត់ដឹងទេគ្រាន់តែគេនិយាយថាគេហៅថាបងលេខ1លេខ2ដល់នារាគេអត់បញ្ចេញឈ្មោះផងឆ្នាំនោះឯងដែលប្រជុំរៀបចំគេនិយាយថាបងលេខ1លេខ2ហ្នឹងនារាខ្ញុំអត់ដឹងទេ Pour que ce soit bien clair dans votre déclaration devant les juges d'instruction, vous avez parlé de cette réunion, vous aviez dit, peut-être que je vais citer, Laurent Khmer, c'est 00236033, toujours dans la déclaration, dans le procès verbal E3-3663. Donc je répète, Khmer, 00236033, en français page 4 et en anglais page 4. Et vous parlez de Tarit et vous dites pendant la réunion il disait que Kon Thuon alias Tukt alias Khun, secrétaire de la zone nord du ministre chargé du commerce extérieur était lié à la CIA et qu'il avait projeté de faire un coup d'état pour renverser frère numéro 1 et frère numéro 2. Le chef de l'armée, le chef de la division de la zone nord, qui s'appelait Eun, étaient ceux qui dirigeaient l'armée pour ce coup d'État, mais ils étaient tous arrêtés successivement. Donc quand vous parlez de frère numéro 1, frère numéro 2, que vous confirmez ce que vous avez dit, c'est-à-dire que Rit a affirmé que Kon Thuon avait préparé un coup d'État contre frère numéro 1 et contre frère numéro 2. Rit a affirmé que Kon Thuon avait préparé un coup d'État contre frère numéro 1 et contre frère numéro 2. Merci. Je voulais savoir, quand Rit a parlé de la trahison de Kon Thuon, est-ce qu'il a mentionné que Kon Thuon avait fait des aveux par rapport à ce projet de coup d'État?
Très bien, pas de problème. Est-ce que vous saviez à l'époque, lorsque Tari a mentionné que Koytoun alias tout était lié à la CIA, est-ce que vous saviez ce que ça voulait dire, être lié à la CIA à l'époque? Thank you, Mr. President. Monsieur le Président, je crois que cette objection n'est pas fondée. D'une part, on parle du ministère du Commerce et on sait à quel degré ce ministère peut avoir été lié à un des accusés. Deuxièmement, on parle également de politique vis-à-vis des ennemis. Et troisièmement, je rappellerai aussi que Wu Soi, qui était un témoin de la défense, a longuement parlé de ce type de sujet. Et donc, pour toutes ces raisons, il me semble que l'objection n'est pas fondée, devrait être rejetée. ខ្ញុំតោះនឹងសំអាងហេតុដែលខ្ញុំតោះរបស់មេធាវីអន្តរជាតិកាលពីក្តីលោកកឿនរុនជាខ្ញុំតោះសំណួរនេះគឺមិនសមស្របទេដូច្នេះស្តីខ្ញុំតោះនឹងគឺមានប្រសិទ្ធភាពសាក់សីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលសួរឡើងដោយមេធាវីដោយដំណាងតែប្រញ្ញាអមាញ់មិញនេះបើសិនជាលោកនៅចាំសូមឆ្លើយសាក់សី mà không xung luôn nếu khi mình đang thả dòng máy tế tè cơ này ca lực lần bộ lực rất nhỏ ảnh cần thả coi khu ní chia xe bình đánh robot thì á cứ American vậy mà gần như vậy sẽ trong hoạt đang thả xe hơi khả nào khả này cứ mình đang đấy có chia sao máy mà merci. Qu'est-il arrivé par la suite au sein de l'unité dans laquelle vous travaillez après donc l'annonce de la trahison de Koytoun et de Eun? Est-ce qu'il y avait un climat de peur qui s'est installé ou non dans votre unité? បាទសូមជម្រាបលោកជានបានច្បាស់ថាការភ័យខ្លាចគឺមានតែក្នុងសម័យសង្គមនោះគឺយើងមិនអាចគេចទេនឹងឆ្លើយតបការពុតពេងឲ្យយ៉ាងម៉េចបានដូច្នេះគឺចេះតែទ្រាំបាទនឹងរត់គេចគេចមិនរួចដែរបាទអញ្ចឹងចំពោះរឿងខ្ញុំបានជំនុំគ្នាមិនមែនធម្មតាទេនិយាយត្រង់ៗ
រត់ចោលរត់តែបើគិតពិចារណាថានឹងរត់ទៅឆ្លងប្រទេសមិននឹងទៅដល់ណាបើចេញដល់ពីកន្លែងនេះដល់កន្លែងនោះគេតើអត់ស្គាល់គេដាក់ខ្លួនអញ្ចឹងត្រឹមបាទទោះតែដល់ថ្ងៃរំដោះទៅបានដឹងថាអូមានសភាពខុសគ្នាបាទវាអត់មានសិទ្ធិសេរីភាព Merci, monsieur le témoin. J'en viens alors à la dernière période. Vous avez travaillé sous le ministère du Commerce, et je crois que c'était jusqu'à la fin du régime. C'est à Tultumpong. Pourriez-vous nous dire le poste que vous occupiez une fois que vous étiez à Tultumpong? Est-ce que vous aviez été promu à ce moment? បាទខ្ញុំមិនលើកបាំងមានតំណែងគេឲ្យទទួលជាមីក្រុមដែរបាទកន្លងទៅធ្វើការក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ថ្នាក់លើរបស់គេគឺយើងខ្ញុំសូមបកស្រាយនឹងនិយាយបញ្ចប់សេចក្តីរឿងដែលការរស់នៅក្នុងតំបន់ទូលទពូងជាការងារសម្រិតសម្រាំង បាទចំពោះរឿងរូបខ្ញុំតើគឺសម្រិតសម្រាំងសំឡេងគោមួយឆ្នាំទល់មួយឆ្នាំពោទូទាំងប្រទេសដឹកពីភូមិភាគពីយកតាមអតិថិជនមួយខ្សែមួយខ្សែមកញ៉ែពីបោពីដឹកមកតាមកប៉ាល់មកទាំងខ្សែឲ្យភូមិភាគដនេះគឺឡានយ៉ាងបានសុទ្ធតែឡានខ្សែឲ្យជំនន់នោះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនៅនឹងវត្តណែងក៏ឲ្យ មឺម៉ាស៊ីនដែលវាយអាសំឡេងគោនេះបួនអប់គ្រឿងតែកណាវាយទៅការច្រករបស់ប្រជាពលរដ្ឋជួនកាលវាដោយថ្មឬក៏តិចឈឺចាក់ព្រោះទៅជួនកាលបាក់ធ្មេញម៉ាស៊ីនថ្ងៃ10ថ្ងៃ20ថ្ងៃ30ក្នុងមួយខែគេសម្រាប់3ថ្ងៃ10ថ្ងៃឈប់ម្ដងគេត្រូវ លោកតារិទ្ធនេះគាត់ជាប្រធានគ្រប់គ្រងខាងពាណិជ្ជកម្មក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសផងគាត់មកប្រជុំបាទប្រជុំផ្សព្វផ្សាយនិយាយថាមិនលើកពីរឿងបាក់ទេតែគ្រាន់ថាសព្រាមួយឲ្យតែបាក់ខ្មាំងគឺមិនទាន់អស់អញ្ចឹងអារម្មណ៍របស់យើងខ្ញុំវាមានការភ័យព្រួយមិនដឹងនិយាយថ្ងៃណាទេដែលយើងអាចឆ្លងផុតពីរឿងនេះកិច្ចវាអត់រួចបាទ នេះបញ្ហាមួយបញ្ហាពីរទៀតក្រោយមកប្រធានក្រសួងជានារីដែលមកពីខាងភូមិភាគនេះដែរបាទឈ្មោះមេថាអាយុ 18 ឆ្នាំទើបតែបានកូនមួយឈ្មោះមេជាកន្លងទៅជាប់ពន្ធថាជានារសាលរបស់លោកតាញ៉ែមដែលគេដកចេញ ដែលឡើងតារិទ្ធនេះទីថាដកតញ៉ែមចេញនៅក្នុងសោមអានេះខ្ញុំក្រាសាដានបន្តិចបាទនិយាយទៅជាណែឯងក៏នៅសុកស្ទូងជាមួយខ្ញុំដែរបាទនៅក្នុងឃុំជាមួយខ្ញុំដែរឈ្មោះនោះហើយបានគូសាឲ្យគេរៀបឲ្យគ្នាជានារសាបលានដល់ពេលគេដកអា លោកញ៉ែមនេះទៅចាប់បាត់ទៅញ៉ែទៅឡើងកើតនេះមកមានតំណែងនេទីយាយទៅថ្ងៃមួយមិត្តថាណែឯងក៏ជប់ជាគេដកតហុងបន្តផ្ទើមកមានតហុងឯងក្រោមតរិទ្ធក្តាប់ប្រធានមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មក្នុងប្រទេសដែលនៅទូលទពូងដល់បាត់តហុងនេះទៅមកជប់មិត្តថាដល់មកជប់មិត្តថាថ្ងៃមួយធ្វើការលីសែងគេជួយអូសឈើអូសព្រៃពីក្នុងវត្តទូលទពូង ណែអាឈើវែងវែងតែទៅមិត្តថាបានបកដៃហៅមិត្តជារាមិត្តជាមិនណែមិនភ្លេចចេញមកក្រៅទៅមើលឈើនោះបន្តិចមកកើតធ្វើឲ្យខ្លឹងកើតឬក៏អត់ម៉ោងជាង10ហើយចិត្តឈប់ធ្វើការខ្ញុំក៏លេងមើលតាមអាច្រកចេញមុខវាវត្តវែងណា
ว่าอาพลัยนูเทิงวิทัยสรัยเพียบยิงมอตึงมันเจตาเลิกญมเวญาอดสกลแลอดดังนี้ดอกเวญาตาริจิมรานบ่ญาเตชมลูกเมียมือบิกราวคืนลานเหมือนลานอสีมสือกี้โกนเลขหอมโตยโตจ้ะดักตาซอมัวจัดสับญามมันเจดาดอลพลึบพลึงไคลจ้วงขวาลานลาน គ្នាគេបួនអ្នកប្រាំអ្នកនឹងតកងបិទគ្រប់បឹងបាត់ក្រោយមកខ្ញុំថ្ងៃល្ងាចអង្គុយជំនុំគ្នាឯងស្ងាត់ស្ងាត់យើងអត់ដឹងថ្ងៃណាទេអត់មានហ៊ានចេញវិចារទេខ្ញុំសូមរាយការណ៍ឲ្យវាអស់ហេតុផលបានថាអំពើទាំងឡាយនេះត្រូវអត់រួចទេខ្ញុំអស់សេចក្តីវាចប់ត្រឹមថ្ងៃដុំ7មីនារដែលត្រូវរត់ចេញបែកបាក់គ្នាពីភ្នំពេញទៅណែ รถเทียร์ไล่มารอเราไว้เด้อบ้านเสือดอกกองกบงเสาตลอดมูวิ่งได้เวียดนามกี่บ้านก็มอยรถโจได้ไทยเอ้ยสานุนุปอนเตอร์ใจเวียดนามได้สกัดมกบ้านมกกี่อยู่มูวิ่งมอนักคืนดาวสายยูนโจเงือบบ้านบ้านสำหรับสำรวจประต่อเทียบสมเจริญลูกนำนางทารวิญญา Merci pour toutes ces précisions, monsieur le témoin. Nous allons essayer de revenir sur un certain nombre de choses que vous venez de dire, mais en nous limitant à Tultumpong pour le moment. Je voudrais simplement relire, pour qu'il y ait plus de précision, ce que vous avez dit dans deux procès-verbaux devant les juges d'instruction à propos de ces réunions qui se tenaient tous les 10 jours avec Van Riet. Alors, le premier extrait provient du procès-verbal que vous avez déjà, E3-363, à la page 5 dans chacune des langues. Et vous avez dit ceci, je cite, « Dans cette entité, une réunion interne se tenait tous les 10 jours à laquelle participait également le dénommé Rit. Ce dernier disait à la réunion, les ennemis ne sont pas encore tous éliminés, ils sont en train de ronger de l'intérieur le parti. Il faut continuer notre surveillance. Ils détruisent même une cuillère, sans parler des choses importantes. Fin de citation. Et je voudrais lire un autre extrait de l'autre procès-verbal d'audition qui porte le numéro E3-472. Qui date de quelques mois après l'autre, et c'est à la page 3 dans chacune des langues, avec l'autorisation de M. le Président. Je voudrais pouvoir donner ce document au témoin et peut-être projeter à l'écran cette page 3 en khmer, en anglais et en français. Alors, concernant cette même réunion, vous dites ceci. Au cours de la réunion, Ta Rit a demandé à tous les ouvriers de bien respecter la discipline établie par l'encart et de surveiller les activités des ennemis. Et à la réponse qui suit, Ta Rit a soutenu qu'il y avait des espions et il fallait donc continuer des arrestations. Fin de citation. Donc vous avez dit que Van Riet parlait des ennemis. Est-ce que vous confirmez qu'il a dit qu'il fallait les surveiller, les arrêter ou les éliminer? ខ្ញុំបានជម្រាបសាខាងដើមដែរតែមិនអាចចាំបានគ្រប់កន្លងទាំងអស់ទេគ្រាន់តែលើកគោលគោលត្រង់កន្លែងណាដែលវាខ្ញុំនឹកសំខាន់ខណ្ឌជូនទៅលោកប្រធានអង្គចក្រមបានក្រាំបាទ Merci. Est-ce que vous vous souvenez si Van Riet, Ta Rit, lorsqu'il parlait de ses ennemis, est-ce qu'il a fait référence à
la politique du parti ou les ordres donnés par l'échelon supérieur du parti. Quand ban lực lang chai men ấy, tất cả cứ trôi tam đán, tất cả mà phiệp hoặc mang đại biểu si rung tích không bực cọp nữa. Phừa ơi, ta bom phanh đồ bạc bạc để vượt bỏ cái này cứ trôi tệ miền việt thiện cả tam mọi trước chạm ở bàn chai men phật này, mà không dùng điểm sáng. À part l'épisode, vous avez vu que Chia, qui était donc le messager de Niem, et vous avez dit que Niem lui-même avait été arrêté auparavant. Ah, donc à part cet épisode, vous avez vu les camions ou les véhicules qui ont transporté Chia. Est-ce que vous avez revu ces véhicules par la suite revenir dans le cadre d'autres arrestations? Bà coi món cái thà làn nó chạm bị đập một chia phật tới cái thà là hốt đó ngày đó cứ về to bắt đầu món cái từ phật phật bị là từ chạm những cái lại để khi mà ăn khi mà ăn đằng bà Et avant que Chi soit arrêté, est-ce qu'il y avait des gens qui disparaissaient dans votre unité à Tultumpung? Bà, xong chia sẻ. Cái đó vì cả chạp chung chia phát tới, ông mùi dựa tới vì ai chlong rượt đá đo rụt như mặt tờ đáy mà còn tới đòi dùng từ ta mày thì ta còn bọn đấng hình như bàn chúi bàn rủ dàng tới. Ngày nó nhung từ xung rạng về bà rái mà lại về cái hai về và mùi mà ra nó mà từ lì nó về tới về rồi à một bộ này đó từ ngày trên mô này nhóm từ chụp mà nơi mà cái lại cái xuống bên này chỉ cắm miên khe tập pi nữa chỉ mùi nung một xuồng rầy hai khăn thì ấy dễ kỳ miên rùa xá nhóm nơi lì tê số mày nô và nhóm xuồng lực liệt đáng và phải họ là bạn chưa bác lứa mà đó dục láng nhầm nấc từ đây pet vú nấc ký tranh đà tới từ liền ký từ rồi ai dày nè cả đây tới đôi chai đón bàn kinh gì pram làm phấp tạc nhóm tới ở vì nè rồi đôi pịa cái thà lực láng thà vậy mang vào tiền nó mà mặt nên mình thơm mà đà thì đó mệt rây ní bàn pram thà đừng thương mà chế mình ảnh còn che cho ao dũng bò mùi thà thưa dòng mấy vậy bò dương rốt chân của tây nam với ọt rùi đi không sao mai nô trái tam khi tới bộ ngọc của mình đang thưa mấy cái ai còn bật tu nó chân nung khi ai ngặt ngặt về dụng này anh thà tới một chum đang bật thiền tì tới rê ca trăng luôn anh tới pram hai cả ta vì ai kịch rồi phật vì nó khiêng cả sập nị bàn rồi có ọt nhóm cổ phật nhà tam kỳ đấy là khuyên thay về ọ hả của dương rốt rốt rồi đấy anh chứ miền mô đôi tam kia thà đó nhóm ta ở môi chắc là dụng món mong hay dụng bờ cái là dụng á một bông bay á lấy ọt trăm hay là này dụng á còn kia ở tường thùng ra đấy một đó
ដល់មកច្រើនទ្វាសុំទោសវិទៅថាសុំសុខខ្ញុំថាមិនដឹងថាទៅដេកពេលនោះចេញមកស្មារតីថាចេញមកមកអាប្រមួយហើយថ្ងៃលិចហើយដល់អញ្ចឹងគូលីខាងក្នុងទៀងក៏ឲ្យដាក់ឲ្យមកសួរទៅណាមកណានេះមានកិច្ចការអីចង់និយាយខ្ញុំនិយាយទាំងធ្លាក់ខ្លាំទេព្រោះចេះនិយាយប្រាប់គេតាមត្រង់ត្រង់ ថាគូលំណងនៃរបាយការណ៍ដែលបានលើកឡើងទាំងម្បាលម៉ានអំពីរឿងរបស់ខ្ញុំទៅលើអ្នកខាងក្រោមដែលខ្ញុំធ្វើជាប្រធានក្រុមទៅលើកម្មកអញ្ចឹងមួយចុះមួយនោះខ្ញុំប្រាប់ថាឯងគេអាយុប៉ុណ្ណោះខ្ញុំជាណាជាងទេគាត់ហៅគេបងអញ្ចឹងប្រាប់បងឯងថាខ្ញុំទៅតាម គោរពទៅតាមអង្គការវិន័យបាទចង់ភ្លេចណាសម័យនោះបាទគោរពអង្គការវិន័យចាត់តាំងពីលើបើគ្មានការចាត់តាំងយើងខ្ញុំមិនហ៊ានទេបើខ្ញុំមិនធ្វើទៅតាមការចាត់តាំងណែនាំបាននេះថាខ្ញុំអត់គោរពអង្គការវិន័យរបស់បកប៉ុន្តែឯងឆ្លងផុតមកផ្សេងឡើងអ្នកដែលនៅពីលើខ្ញុំចាប់បាត់ ចាប់ដកខ្លួនបាត់នារីដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែពីខាងនេះដែរនារីនោះធ្វើប្រធានពីលើខ្ញុំទៀតពីប្រធានកងបានថាជាក់ស្ដែងខ្ញុំចៃដនដោយថាបើយើងនិយាយក្នុងសម័យនេះអង្គថាគុណបនព្រះលោកជួយដល់បានតែត្រូវបានរស់បាទអញ្ចឹងគេត្រូវចាប់បាត់ហើយបន្តទៀតតរិទ្ធនេះ มันประชุมนังนกประชุมนังเวทนังเปลือกเฮียตูตะปูมามดเองทั้งอ้อเนี่ยมือตะลือคืนรูปเพียบไอ้ได้นาเห็นต่อมีนโอ้ยมีนรูปกุมนูเปลือกเตยซอยเตยเบียกเมียนการที่จำรานเต้ปอนให้จอกยมมันเอาเม็ดเองไว้เด้อันนี้ อดอยู่เว้ยตกไงนะมวยถอยเจงเอาพอดกิโยมีนหมดนะอามินเต่าน่ะไปเตียนผมบักเฮียนี่เอาบัตรตัวกิโยทมอนี่ตัวทื่อรุ่งจ้าน้องไปจุ่มนั่งเชียงเนี่ยแทงปีปีสมได้บ่ลูกวันเด็ดนี่บ้านนี่ท่าอดมีนนานาได้เฮียนเออเต้ชมวยหนึ่งสังคมเนาะว่าชมสมอ้อยบอลปนัยเองชมจอบมา Merci, monsieur le témoin. Je vais vous demander pour le reste du temps qui nous est alloué, jusqu'à la pause en tout cas, d'être assez bref dans vos réponses. Comme ça, je pourrai poser, aborder plus de sujets. Tout d'abord, pour résumer l'épisode que vous venez de nous dire, si j'ai bien compris, vous deviez normalement être arrêté. Et Sun Rei vous a prévenu et vous êtes intervenu auprès de votre supérieur, Madame Ta, pour vous justifier et donc vous avez été sauvé. Et vous avez dit qu'il y avait eu une autre arrestation à la suite de votre entretien avec Ta. Donc est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'après l'arrestation de Chi, il y a eu quand même d'autres arrestations, en tout cas au moins une que vous venez de mentionner? มันผู้เซ็งទៀតនោះមានមកខ្ញុំដល់យុទ្ធទេតបានណាឃើញបាទសូមអធិស្ឋានមកថានេះវាទៅសាច់ចុះសាឡើងបាទអានេះក៏បើនិយាយទៅបន្តខ្ញុំទៅដល់រឿងខ្ញុំវាមានលោះដល់ក្រោយមកវាដើមចាប់មួយមួយទេ ដល់យូរទៅក្រោយមកគឺចាប់ទាំងខ្សែអានោះគេចង់និយាយថាដល់ភូមិភាគបូព៌ាម្ដងហើយ
Merci. Alors, concernant les véhicules que vous avez vus qui étaient venus pour arrêter Jir, ou en tout cas les véhicules dans lesquels Jir a été placé, ainsi que peut-être les autres personnes, est-ce que vous avez vu si ces véhicules portaient des plaques d'immatriculation ou des signes distinctifs? Et si oui, quelles étaient les inscriptions qu'il y avait sur ces véhicules? ມັນສົມຈຳເລີບບັນຕອງຄືຂ້ອຍມັນບານຄືມີພ້າໄດ້ລຸຍຫຼານໂຕມົນໄດ້ຈັບມັນຊີນໂຕເດຄືສະກົນຖ້າລົດຍົນກ້ອງຈະມອງບໍ່ດັກມະນຸດບານຊາຫຼານວ່າອ່ວຍຍັງໄດ້ໂຈລໂຕດັກຢູ່ຫມໍຫາດັກຫາດັກຫມໍອັດມີນາຕະຮຽນສູ່ອີ່ເດຄືດອກຕາລິງຄູນເດທຸມິດຕະພ្នែកເດດໍມອງໂຕກາຖືເລື່ອງກີ້ກີ້ເລື່ອງຍືງຍືງ Merci. Je reviens à un autre sujet. Je voudrais lire un extrait de votre procès-verbal d'audition du 29 octobre 2008. Alors, c'est toujours le procès-verbal E3-363. Et ça concerne Kusampan. Alors, c'est à la page 6 en français, 5 en anglais, et en khmer, c'est la page 00-23-6035. J'espère que monsieur l'avocat peut vous aider à trouver le passage. Il est dit ceci, vous avez répondu ceci. Merci, monsieur le président. Je forme une objection parce que je remarque qu'au moment où il s'agit d'évoquer la personne de mon client, monsieur le procureur ne pose plus de questions, mais il rafraîchit directement la mémoire du témoin. Je trouve ça anormal. Pourquoi ne procédez-vous pas, monsieur le procureur, comme vous l'avez fait précédemment, en posant des questions et ensuite en rafraîchissant la mémoire du témoin s'il ne se souvient pas? Monsieur le Président, je suis tenu par le temps et cette manière de procéder a été encouragée fermement par la Chambre à plusieurs reprises, justement pour gagner du temps lors des débats. Je pourrais poser une question ouverte, mais je voudrais simplement lire un passage et poser des questions supplémentaires par rapport à ce passage. Je ne pense pas que ce soit une méthode qui soit prohibée devant cette Chambre. ខ្ញុំគិតថាវិធីនេះគឺថាមិនមានការហាមឃាត់ពីអង្គជំនុំជម្រះនោះទេ
បាទសេចក្តីជំទាស់របស់មេធាវីអន្តរជាតិកាលពីក្តីលោកគឺសម្ព័ន្ធចំពោះសំណួរបែបនេះມັນធំត្រប់ទេពីព្រោះបញ្ហានេះកើតឡើងច្រើនដងហើយហើយយើងបានដោះស្រាយរួចហើយថាផ្នែកលើមូលដ្ឋាននៃកំណត់ហេតុបែបនេះគឺយើងអាចធ្វើដូច្នេះបានដូច្នេះខ្ញុំសូមរំលឹកអនុញ្ញាតឲ្យសាធារណៈអាចបន្តការតាំងសំណួរបែបនេះចំពោះសាធារណរដ្ឋបាល Merci, donc je vais lire le passage qui m'intéresse, monsieur le témoin. Vous avez dit ceci, ultérieurement en 1978, pendant que je travaillais dans la pagode de Tul Tumpung, j'ai vu Kyu Sampan, accompagné du dénommé Rit, venir inspecter les produits locaux tels que le soja, les haricots mungo, qui étaient préparés et sélectionnés avec soin pour être ensachés et pesé en vue d'être exporté à l'étranger. Fin de citation. Je voudrais juste d'abord confirmer une chose. Est-ce que vous avez vu M. Kyu Sampan à Tul Tumpung visiter les lieux une seule fois ou plusieurs fois? ពេលនោះគឺឃើញគាត់មកផលិតនៅផលិតផលມັນបានសំណេះសំណាលយូរគឺដើរចេះរហូតតាមដងផ្លូវម្នងដោយអមដោយលោកវណ្ណនេះឯងធ្វើដំណើរពីក្រោយបន្តបន្ទាប់ទៅគឺថាមានពាក្យនិយាយថាកម្មករធ្វើការឯកសារហ្នឹងប្រលបនេះសម្រាប់សម្រាប់ចេញទៅបរទេសគឺខាងក្រៅប្រទេសយើង Selon ce que vous avez pu observer lors de cette visite, selon ce qui vous a été dit au sein du ministère du Commerce, qui de Kyu Sampan ou de Van Riet occupait un rang plus élevé dans la hiérarchie du ខ្ញុំមិនដឹងដែរនេះគាត់ថាបើនិយាយទៅក្រសួងព្រះទេវតានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រមុខរដ្ឋនឹងឯងខាងក្រសួងនៅត្រូវនៅក្រៅមកហើយបាទមិនដឹងដែរនេះយើងក៏ស្មានគាត់ត្រូវនៅលើបាទប្រវត្តិនេះស្មានទោះដើរតែឲន Très bien, je voudrais aussi, Monsieur le Président, à propos des dirigeants du Cambodge démocratique, lire un passage de l'interview qui a été donnée par Monsieur le témoin au centre de documentation du Cambodge qui porte la référence IS19.177. C'est un passage qui en anglais se trouve à la page 10, c'est-à-dire IRN 00679694 00679694, et en Khmer 3x0 55227 00055227. Il n'y a pas eu de traduction en français à l'heure actuelle. C'est un court passage et je voudrais faire réagir le témoin par la suite. Et ça commence comme suit. Question de Dara. Ah, pardon, je mentionne, Monsieur le Président, avec votre autorisation que je vais lire ce passage en anglais parce qu'il n'existe pas de traduction française. Alors, Excusez-moi, c'est
tout ça est allé un peu vite pour moi, je n'ai pas eu le temps de noter le numéro de page. Que oui, absolument. Alors en anglais, c'est la page 10. Et en Khmer, 000-55227. Alors, je cite. Dara. Did you know who brother number two was? Answer from Tat. Tat got shy. Tat. Pol Pot, Khieu Samphan, Yeng Sari, Yeng Sari, and Nguyen Chia were all top leaders. I didn't know who brother number two was among them. I only knew that Pol Pot was called brother number one. And then a little bit under. Yes, there were other leaders in their respective ministries. Apart from Pol Pot being the Prime Minister, I heard Sun Sen was in charge of the Ministry of National Defense. Yeng Sari was in charge of the Ministry of Foreign Affairs. Nguyen Chia was in charge of the People's Assembly. And of course. Donc voilà, ça c'est un extrait de votre interview avec les personnes qui sont venues vous interroger en 2003, monsieur le témoin. Pourriez-vous nous dire, puisque vous dites que Pol Pot, Khieu Samphan, Yeng Sari et Nguyen Chia étaient des hauts dirigeants, est-ce que vous pouvez nous dire quand vous avez appris que ces personnes étaient des hauts dirigeants sous le Kampuchea démocratique? Ba sống một chiều sáng, mình xây chạm bàn đấy trong chung nội những cái chạm bàn trong thập phiên nào đấy, tại cơn là dương mình hiện số tại cơn là miền biển gì càng cai để mì gì và tọt tượng càng lư bàn phạm tại thà mì đất nằm thấm thấm đôi lục miền và sàn trẻ và cứ cầm nọt chẹt nó là tạm một nhà bỏ kỹ cứ tạm tạm vậy. Merci, Monsieur le Président. Je vois que l'heure avance. Il me reste à peu près 10 minutes de questions à poser. Je ne sais pas si vous voulez que la pause soit prise maintenant. Merci. បាទឥឡូវដល់ពេលសម្រាប់ហើយអំពីប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពីនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង 3 នៅសូមអញ្ជើញជួលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការដំណើរការដើម្បីរដ្ឋបាលតុលាការត្រង់រួលផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់រងចាំសម្រាប់តៃដល់សាធិរំនេះសម្រាប់នៅក្នុងឡុងពេលជប់សម្រាប់នឹងអញ្ជើញគាត់ត្រឡប់មកកាន់កន្លែងផ្ដល់សេចក្តីកម្មនេះវិញនៅវិលៀមម៉ោង 3 ព្រមទាំងមេធាវីប្រឹក្សាគាត់ផងសម្រាប់ចុះ.